Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, hein. Vous êtes l'avocat non? Oui c'est ça monsieur, avocat au gros barreau, vous avez besoin d'une affaire. Au gros barreau? Oui au gros barreau monsieur, bougez pas parce que j'ai du mal à répondre aux messages en même temps. Très bien, bon où est mon... Avez-vous vu mon collaborateur? Dans Calibre. Pardon? Attends, y'a un mec qui sort... Monsieur, avez-vous vu mon collaborateur? Sors devant. Sors devant, y'a des mecs masqués devant. Avec un coup de... Sors devant. Monsieur, mais que se passe-t-il? Monsieur, avez-vous vu monsieur Sterling? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu es où? Allô. Oui, au cabinet actuellement. Mais comment ça au cabinet? Bonsoir là. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Moi ça va. Bah ça va très bien. On se connaît déjà, mais vous inquiétez pas là. Dites-moi là, la moto là, qui? Elle est à vous maintenant si vous voulez, prenez la moto. Non, c'est... je veux savoir. Allez. Je sais pas, y a une personne dedans, ils sont deux ou trois à côté, mais je ne sais pas plus monsieur. Ah. Oui, allô. Oui, dis à Jackie d'ouvrir parce qu'il m'ouvre pas la porte. Oui, d'accord. S'il veut pas ouvrir. Bah, dis-lui que j'ai des explosifs dans mon sac et qu'à tout moment je fais péter sa putain d'agence, donc il a intérêt à m'ouvrir. D'accord, donc je l'appelle et je lui dis de l'ouvrir. T'es pas, t'es plus dedans là, t'es où? Non, mais je suis juste devant. Vous voulez que je l'appelle? Bah, écoute, apparemment, il a pas l'air de vouloir m'ouvrir la porte, donc ça va le traquer tous les jours de la semaine jusqu'à que je puisse déterrer sa grand-mère. Il est avec des gardes du corps. Ah, monsieur Sterling, comment allez-vous? Oui, j'ai fait des caca, j'ai repincé ses chiottes. Oui, mais vous voulez que je l'appelle ou pas pour lui dire de vous ouvrir? Bon, je pense qu'il veut pas, il veut pas. Il a des hommes armés avec lui. Ah, c'est bien, j'ai une grenade dans mon sac. Nous aussi, on est armés. Dites-lui d'ouvrir la porte. Je vais l'appeler. Non, on va faire mieux que ça, on va attendre qu'il sorte. Il devra sortir, mais oui, il devra sortir. Bah oui. Ah bah oui. Ils n'ont pas d'envie. Cooper, venez avec moi. Discret, qu'on voit plus les bagnoles, qu'on voit plus. On a rien à voir avec ces gens, on les connaît pas. Oui, moi je connais personne. Oui, tonton. Oui, je te laisse t'occuper d'eux, nous allons nous changer de tenue. Oui, allez vous changer. Bisous, j'espère que ça t'embête pas trop. Non. Super, je t'embrasse. Tu les laisses pas sortir, hein. Non, t'inquiète pas, ils vont pas sortir. Bisous, à très vite. À très vite. Allons-y, Sterling. Oui, allô. Oui, c'est pour être sûr que tu t'entends bien. Oui, bah j'entends toujours bien. Tu vois, le téléphone fonctionne bien, mais il y a un problème avec la voiture. Oui, bah oui. Ça doit câbler. Je disais, il faut que tu me donnes le numéro des filles, Cooper. Pourquoi? Que se passe-t-il? Non, mais il se passe rien, mais c'est toujours bien d'avoir le numéro des filles. T'inquiète pas, tant que je suis là, tout se passera bien. Oui, mais il faut quand même avoir le numéro des filles. Mais je l'ai, le numéro, ne t'en fais pas. Mais moi, je ne l'ai pas, Cooper. Ah, bah oui, mais je comprends, Sterling, c'est dommage. Oui, mais s'il y a besoin, si tu te fais kidnapper ou. Je ne me ferai jamais kidnapper, Sterling. Pourquoi on kidnapperait la loi, monsieur Sterling? Dites voir. Oui, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. C'est bon, vous avez la barbe qui dépasse. C'est pas grave. On peut l'enlever à la limite. Oui, bah vous reconnaître avec un poil de barbe, Sterling, il va falloir y aller très fort. J'y crois moyen. Et maintenant, on va devoir se re-rechanger, Sterling. Encore? Bah oui, bah il a appelé la police. Oui, tout à fait, Cooper. Ça veut nous intimider. Par contre, on va porter plainte contre lui. Oui, on va pas. Bah tiens, allons-y. Allons-y et nous irons porter plainte contre lui. Allez, venez. C'est bon. Allez, cette fois, c'est son bien. C'est bon, on peut y aller. On porte plainte contre lui pour tentative de. Coup de pression. Coup de pression à la loi. Tentative de coup de pression. Bon, il n'y a plus grand monde. Écoute, allons voir. Allons à la banque. Attention. D'accord, totalement malade, celui-là. Oui, bonjour monsieur, nous arrivons. Bah c'est lui, Sterling, j'ai pas bougé, hein. Parfait, bah écoutez, je suis à la banque, elle a pas ses très bien, nous arrivons. Mais direction la banque. Bonsoir monsieur McCormack. Bonsoir monsieur McCormack, comment allez-vous? Pour nous répondre monsieur. Il a l'air d'aller bien. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Allons-y monsieur McCormack. Monsieur Montmirail, j'écoute, oui, bien vous-même. Ok, du coup, vous m'appelez pour laquelle? Parce que là, je suis sur pas mal d'affaires en ce moment. Eh ben, écoutez, je suis actuellement avec mes avocats à la banque. On a un petit entretien là, et du coup, pour voir un peu l'avancée de la chose. Et pour l'instant, ben, j'en saurai plus dans quelques instants. Je vous recontacte plus tard si vous le désirez. Parfait, à tout à l'heure. Vous m'envoyez navré pour ce coup de fil, j'étais obligé de répondre. Alors, y a pas de soucis, messieurs, installez-vous à votre aise, faites comme chez vous. Nous sommes à notre aise.
Nous sommes dans voilà, la parfait. Nous allons vous expliquer les détails, les tenants et aboutissants de ce qui s'est passé. Nous avons donc rencontré le juge et l'huissier. Bon, surtout le juge hein, qui nous intéresse. L'huissier n'est qu'un escroc parmi tant d'autres. Deux faits sur trois se sont clos en votre faveur, monsieur McCormack. Incroyable. À savoir que le premier fait, vous êtes donc propriétaire à 100%, monsieur McCormack, suite évidemment au papier officiel signé par le président. Et le deuxième fait qui vous était reproché, Sterling, je te laisse reprendre la suite le temps que je réponde. Le deuxième fait qui vous était reproché, monsieur, c'était ce qui concernait vos employés qui avaient détourné de l'argent. Voilà. C'est bien ça ? Tout à fait. Ils ont détourné quelle somme d'ailleurs ? Alors, à ma connaissance, 150 000 dollars pour investir dans le salon de tatouage d'un de leurs amis. Super. D'accord. Donc et c'est ça, vous pouvez le prouver. Ça a été prouvé par l'huissier, Sterling. Ça a été prouvé par l'huissier. Ah, ça oui, a été déclaré en sa faveur, clos. Oui, donc nous avons gagné. Point. C'est 2 points sur 3. Troisième point qui reste point à résoudre. Que vous reproche les parties adverses. Et qu'il y aurait un retrait d'un million de frais de alors je t'explique, on a essayé de les choper, ils étaient enfermés alors, à double tour dans leur de, putain de d'agence. Oui. Ensuite ils ont appelé la police, il y avait deux bagnoles de flics qui tournaient autour de l'agence. Oui. Ensuite t'as une bagnole noire qui s'est ramenée, on l'a encerclée avec 3 bagnoles. Ils ont réussi à s'échapper je ne sais comment, on leur a tiré dessus, ça les a pas arrêtés. Ça c'est embêtant d'y voir. Ouais, oui. C'est pas très sérieux, je suis avocat, tu veux que je gère cette histoire? Bah je crois que je vais exterminer tout le monde en fait. Non calme-toi, Effie, calme-toi. Putain, c'est incroyable hein, quand même. Je comprends que ça reste incroyable. Oui c'est tout, donc pour l'instant je laisse tomber et je leur arracherai les cheveux plus tard. Voilà, bon bah écoute, j'ai augmenté ta liste d'ennemis. Donc j'espère que tu es contente. Ah je suis très heureuse, merci Toto. Tu t'en occupes dès que tu peux, même si on n'est pas là ma petite Effie, d'accord? Ok, même l'avocate? Oh non, bah, tu te régales, tu sais quoi? Tu te régales ma petite fille. Moi je veux que ma nièce soit heureuse. Eh bah écoute, si je peux te rendre heureux aussi tonton, c'est parfait. Eh bah rends-moi heureux. Ok, bah plus tard, je te ramènerai des dents en souvenir. Oh ça c'est super, ça c'est très très bien, je te fais des gros bisous. Moi aussi, gros beaucoup bisous. Beaucoup de dents, hein. Oui, t'inquiète. Merci, bisous. Et il nous a fait une sorte de chantage. C'est-à-dire il nous a fait un chantage, monsieur. Voilà, il nous a fait un chantage, et parce que ses amis à lui, les propriétaires donc, enfin... les faux propriétaires de votre propriété. Je comprends mieux. Voilà. Il y a une histoire un peu comme ça, un peu varfeu. Non, parce que je me suis toujours bien entendu avec Monsieur Tanaka, du coup ça m'étonnait, mais si effectivement il a... Oui, non, là, vous n'avez plus vous entendre avec lui, monsieur. Voilà, très bien, bah, c'est bon à savoir. Vous savez quoi, bah, je vais devoir ouvrir une agence immobilière concurrente, parce que sinon je vais devoir faire avoir avec lui, et puis j'ai pas spécialement envie, du coup, sachant que cette personne m'apprécie guère. Monsieur, vous voulez mon avis, coulez-le. Écoutez-moi, j'ai un petit truc aussi, nous ne sommes pas là pour rien, je ne sais pas si Sterling vous en a fait part. Nous venons récupérer tout de même, si possible, 60% de la somme pour cette affaire qui commence à nous coûter cher. Et je vous avoue qu'une canette de coca dans cette ville, c'est 250$ et on se fait beaucoup flasher pour rien. Alors oui, alors 250$, oh, peut-être que pour ces histoires de flash, je peux peut-être vous aider. Oh, vous inquiétez pas, nous connaissons vous la loi. Avec la facture, nous monsieur, connaissons avec la loi. Est-ce qu'il serait possible de régler 60%, soit 60 000, monsieur? Ben, clairement, tout à fait, c'est tout à fait envisageable. Et j'ai même une autre proposition à vous faire en plus de ça. Dites-nous, monsieur. J'aimerais vous engager sur le long terme pour défendre mes intérêts. Et nous défendons les intérêts de la loi, et donc vos intérêts sont nos intérêts, monsieur. Exactement, monsieur. Voilà. Qu'est-ce que vous penseriez d'un contrat sur le long terme? Bah pourquoi pas, mon cher Sterling. 50 000 semaine. Qu'en penses-tu? 50 000 dollars semaine. Ouais. Nous trouvons ça tout à fait acceptable, monsieur. Ok. Eh ben écoutez, je vous laisse de votre côté, vu que vous êtes les professionnels, rédiger un petit contrat qui nous lie, vous et moi. Vous y stipulez les clauses qui vous arrangent. Moi, derrière ça, je survole un peu pour voir si j'y vois aucun inconvénient. Et puis, on part sur un marché comme ça, si ça vous convient. Très bien. Très bien. C'est bien, monsieur bien. Sterling qui s'en occupera. Il est très, parfait. Très fort en montage. Non, et... je connais quelqu'un qui le fera pour nous deux. Parfait, très bien. C'est encore mieux. Eh ben écoutez, j'ai confiance en vous. Vous avez fait de l'excellent travail jusqu'à maintenant. Je vais même vous bercer 100% de la somme qui était engagée de ma part pour cette affaire. Donc 100 000 chacun. On va pas se mentir qu'à la base, notre accord oral, c'était 100 000 dollars, tout compris. Mais vu le travail que vous faites, allez, c'est cadeau, c'est pour moi. Ouh là là. Ah ben vraiment. Célébr... Vous êtes vraiment généreux, monsieur. Vous êtes vraiment généreux. Vous êtes mon client préféré, monsieur, sachez-le. Oui, vous êtes notre meilleur client, monsieur. Et nous vous protégerons corps et âme. Parfait. Eh bien, écoutez, suivez-moi, on va s'occuper de tout ça. Je ne vous cache pas que dans notre vie, tout ne va pas mieux. Ah bon? Ah bah, les gens commencent à nous tourner le dos parce qu'on vous aime, monsieur. Oui, mais c'est pas grave, nous faisons respecter la loi, ne vous inquiétez pas, nous sommes du bon côté. Écoutez, pourtant, j'essaie d'être un citoyen modèle dans cette ville. Oui, non, mais la jalousie. La jalousie, monsieur, la jalousie, monsieur. Tout simplement. Malheureusement, cette ville et les citoyens modèles, c'est très compliqué. Oui, il y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. D'ailleurs, vous êtes le seul qu'on a rencontré ici.
Parfait. Eh ben, écoutez, comment vous avez eu votre PPA, monsieur, monsieur McCormack? Alors, il s'avère que c'est au niveau de la munition au sud de la ville qui délivrait ce genre de permis. Mais le problème est qu'elle a été saisie maintenant parce que les anciens propriétaires n'étaient pas très réglo. Elle a été saisie par le gouvernement. Les trois propriétaires de la munition sont soit portés disparus, soit décédés, soit en prison fédérale. Oui, donc, une journée classique dans la ville de Los Santos. Parfait, parfait, c'est exactement ça. Oui, et du coup, l'entreprise n'a pas été reprise depuis, à ma connaissance. Ça fait un petit moment qu'elle est fermée actuellement. Donc, ça a l'air d'être compliqué pour l'instant. Si vous voulez prendre l'avance, vous pouvez contacter au niveau de l'hôpital les EMS qui vont faire passer la première partie, à savoir la partie psychologique, pour savoir si vous êtes apte à posséder une arme. Et ensuite, la deuxième partie, c'est la formation au tir avec les employés du Lamination, qui pour l'instant est fermée. Donc, je pense que notre arme restera le gros barreau, hein, Sterling. N'allons pas. Parce qu'il y a plus fort que la loi, de toute façon. Exactement. Et, là, voilà, et on l'a encore prouvé aujourd'hui. Il n'y a rien de plus fort que la justice, monsieur. Exactement. Tout à fait. Ça, j'aime l'entendre. Ça me fait. Suivez-moi. Je vous laisse patienter au guichet 1, je fais le tour et puis je suis à vous. Très bien. Très bien. C'est très formel. C'est très formel. Bien le bonjour. J'aurais besoin d'une pièce d'identité déjà pour former tout ça. Oui, oui, bien sûr. En bonne et due forme. Alors, du coup, on était parti sur 100 000 chacun. C'est très, très généreux de votre part, monsieur. Écoutez, quand les gens font leur travail, le salaire est mérité. C'est tout ce que j'entends. Et plus le travail est incroyable, plus le salaire est incroyable. C'est comme ça que ça fonctionne. Je constate. Bah, voilà. Vous savez quoi, je vais tout de suite mettre ça en banque. Oui, faites ça. Bah, venez me voir, je vais vous mettre ça en banque si vous voulez. Bon, bah, écoutez, j'arrive, je prends la relève. Parfait. Alors, j'aurais besoin de votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Voilà, monsieur Rick Cooper, incroyable. Alors, merci énormément pour vos services d'une qualité irréprochable. Et tout travail mérite salaire. Que je veux mettre aussi en banque très rapidement, monsieur. Je peux m'en occuper. Si vous voulez me les rendre, je vous les mets sur votre compte en banque sans problème. Oui, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper de la machine. Parfait. Bon, bah merci monsieur, nous revenons très vite avec un contrat. Excellent. Sterling, il t'en occupera ce week-end. Hein. Je ne peux pas déposer, c'est un trop gros montant. Écoutez, je vais vous les déposer. Redonnez-moi cet argent, je vais vous le déposer directement sur votre compte en banque. Tu t'occuperas du contrat ce week-end, on lui enverra un petit truc. Hey, mon cher Sterling, petite formalité. Tant qu'il est stipulé les 50 000 dollars et notre aide en échange. Oui, voilà. D'ailleurs, je vais monter à 57 000 quand même, etc. Ah, pour les frais de papier, bien évidemment. Les frais de papier, bien évidemment. Tu lui as dit au revoir ou pas? Oui, je lui ai dit... Alors, on y va. On s'en fout, on a l'argent. J'ai pas négocié quand même 100 000 en plus dans cette histoire. Ça s'applaudit, ça, mon cher. Oui, bah, c'est... bah attends, tu sais quoi, mon cher Sterling, ne bouge pas. Mon cher Sterling, petite surprise que je suis allé chercher dans le coffre pour toi. Parce que ça se met de mon Sterling. Voilà, ça se met de mon petit Sterling. C'est bien ou pas ce champagne? On fait ça comme il faut. C'est vrai que c'était mérité. Écoute, je te propose d'aller voir s'il y a une petite affaire qui traîne au commissariat, sinon on rentre. T'en penses quoi? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette logique. Je commence à croire que les 10 000 dollars, c'était pas foufou ce qu'on a demandé tout de même, hein, mon cher Sterling. Les 10 000 dollars de quoi? De la première affaire. Oui, c'était du pipotage. On va drastiquement augmenter nos tarifs. Oui, parce que quand tu prends du recul, ça fait que 20 canettes de coca. Qui bonjour. Avocat au gros barreau, est-ce qu'il y a quelqu'un? Nous connaissons la loi, messieurs. Bon, mais a priori, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre ou pas, Sterling? On rentre. Allez, rentrons. Comme on dit, point trop n'en faut. Point trop n'en faut, il faut ce qu'il faut. Voilà, on a fait une bonne affaire et c'est quand même l'essentiel de cette journée. C'est une belle journée, Sterling. Monsieur Tanaka, ben, nous verrons bien s'il changera d'avis. Oui, il changera d'avis, Sterling. Je pense que ma nièce est assez convaincante. Laissez-moi faire, Sterling. Il y a un braquage à la bijouterie, faut aller voir. Ah, c'est bon, voilà, c'est allez, bon. Allez, conduisez, c'est bon, allez-y. Je ressens. Il n'y a que moi qui maîtrise la bête, Sterling. Voilà. je vois ça. Mais voilà pourquoi je veux pas que vous conduisiez. Et mettez-moi la bijouterie, Cooper. Je ne sais pas où c'est, attendez. Bah ouais, mais bijouterie, frérot. Non, Sterling, ça va aller. Je cherche la manette. On n'est pas prêt d'arriver, hein. C'est où la bijouterie? C'est là-bas. C'est je vous l'ai montré. Oui, dites voir. Non, Sterling. Sterling, stop, Sterling. Sterling, ne reconduisez plus jamais un véhicule. Qu'est-ce que vous faites? Allez. Je suis désolé. C'est votre problème, j'ai pas vu la truc. Allez, montez. Je monte. Mais c'est pas... Vous avez de la chance que c'est de l'allemand et que ça conduit encore. Il casse les couilles. Dépêchez-vous, Cooper, on va être en retard. Oui, bah oui, mais c'est... À cause de qui, Sterling, hein? Sterling? Oui, j'avais pas enlevé le chewing-gum sur le pommeau. Mais oui. J'ai vu une voiture de police courir derrière une moto. Ah bah allons-y. Waouh. C'est bon.
Waouh. Vous inquiétez pas, c'est du 4x4. Ah là là, regarde, il faut les suivre eux, il faut les suivre eux. Vous croyez? Bon, enfile la tuyau. Oui, ils recherchent les malandres. Enfile la tuyau, notre voiture est très très lente. Sterling, gardez-les à l'œil, Sterling. À gauche. Tout droit, Cooper, tout droit. Il y a une moto Sterling qui nous suit, je crois. Oui, je t'occupe pas d'elle, c'est les reporters. C'est la police, c'est écrit police tout de même sur la moto. Non, c'est les reporters, je te dis. Tout droit, tu suis lui. Oui, vas-y. Dites-moi, la police, ça n'a pas l'air très efficace ici. Voilà, à droite. Tout droit, Cooper, tout droit. Ça clignote, tu vas là où ça clignote. Là, c'est à gauche, Cooper. Mais oui, mais regardez. Attends, ah abruti. Dites donc, qu'on entendait sa musique d'ici. Oui, totalement malade. On s'est peut-être retrouvé, Sterling. Oui, en effet, je crois percevoir des sirènes non loin. Ah bah oui, regarde, à gauche. Ah bah non, juste là. Vas-y. Allez, Cooper. Je ne crois pas que ce soit bien légal ce qui se passe, Sterling. Ça me paraît suspect, Cooper. Mais nous sommes avocats. Il faut être sur les bons coups, tu sais. Oui, la loi a pas d'accélération, déjà, a priori. Ils vont jamais y arriver, hein. On n'aura plus d'essence d'ici là, mon cher Sterling. Oui, mais persistant. Tu es le meilleur pilote de nous deux. Oh, dites pas ça, Sterling. Commence à faire beaucoup là, Sterling, hein. On risque notre vie à tout moment. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, messieurs, dames. Oula, ouais, c'est le rendez-vous des artistes là ou quoi? Nous sommes Sterling et Cooper, avocats au combat. Oh là là, que se passe-t-il? Excuse-toi, vite. Ne vous battez. Excusez-vous. Il y a une rixe, mon cher Sterling. Nous observons. Allez, à plus. Ouais, voilà. Messieurs, dames, est-ce que vous auriez besoin d'un avocat compétent? Écoutez, tout à fait que non. Mais vous êtes. Nous sommes Sterling Cooper. Comment ça, vous avez un avocat, jeune madame? Ouais, là, un avocat, c'est moi. C'est moi, je la défends tout le temps. Vous êtes avocat, monsieur? Non, je suis agent fédéral, mais ça marche aussi. Non, pas du tout. Monsieur, vous avez un peu de rouge sur le visage, monsieur. Oui, je crois que. Vous avez une tache de naissance. À quel niveau? Parce que je vois pas très bien. Au niveau du faciès, regardez. Attends, vous avez une belle tache là. On frotte. Alors là, c'est plus mon visage, monsieur à droite. Je sais pas si la chemise verte a fait un effet. Bonne soirée, monsieur. Au revoir, monsieur. Donc, avez-vous besoin d'un avocat? Nous voulons être votre avocat, madame. Pourquoi madame que madame? Madame, nous allons vous représenter. Que nous allons vous représenter, ah bon madame. Vous l'appelez comment, madame? Mais j'ai pas de soucis. Si vous avez des soucis, comment, madame, vous avez des soucis, comment, je peux vous l'assurer. Dolores comment, madame? Bezler. Eh ouais, parce que c'est ma femme, c'est mon nom de famille. Écoutez-moi, Dolores Bezler, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes représentée à partir de maintenant par le cabinet Sterling Cooper, avocat au combat. Mais non combat, les meilleurs avocats de la ville, madame. Les meilleurs avocats. Nous vous donnons notre carte. Êtes-vous contente, madame? D'accord, ok. Oh bah oui, regardez, je range la carte dans ma poche de mon chemin. C'est pas votre poche, ça, madame. C'est pas votre poche. Vous rangez ça où vous voulez, madame. Ça nous regarde pas. Ouais, bon, ne soyez pas déplacés, hein, parce que sinon. Nous ne sommes pas déplacés, monsieur. Nous sommes avocats. Prenez la loi, monsieur. Nous sommes avocats. Moi, je vous déplace. Non, vous ne déplacez rien, monsieur. Vous ne déplacez pas la justice. Je la justice ne se déplace pas, monsieur. La justice vient à vous. Attendez, regardez, bougez pas. Notez le numéro, le 5733, mademoiselle. Et vous mettez au nom de Sterling. Voilà, 5733. Ok, d'accord. Et vous avez été choisi donc pour être représenté par le. Vous savez, monsieur. On va se déplacer, messieurs les avocats. Nous sommes, monsieur, en Amérique. Avoir une tenue comme ça n'est pas représentatif de votre statut, monsieur. Monsieur, et d'autant plus. Eh bah non, vous savez quoi? Vous avez bien raison. Et vous savez quoi en plus, monsieur, que notre. Nous, en tant qu'auxiliaire de justice, nous avons plus de pouvoir juridique que vous, monsieur. Madame, est-ce que vous avez notre numéro? Est-ce que vous avez le numéro? Oui, je vais le prendre. Eh bah, n'hésitez pas à nous appeler. C'était Sterling et Cooper, avocat ou pas. Ok, le jour où j'ai des soucis de justice, je vous appelle. Le jour où vous avez des très gros soucis, madame. Ok. Toute forme de problème, nous sommes là. Ou des soucis tout court, madame. Allez, Fabien Barthez, on y va maintenant. Allez, je ne connais pas, monsieur. Monsieur, oubliez pas que vous avez du rouge sur le visage. Mais ça, c'est très très moche, ça vous va pas, monsieur. Si, ça me va très bien. Non, ça vous va pas, c'est immonde. Ça s'appelle une blessure, messieurs. Monsieur, ça c'est pas une blessure, ça s'appelle carrément une ribérie, comme on dit chez nous. Allez, partons. Il faut qu'on trouve des gens au hasard et qu'on leur montre notre statut d'avocat, Cooper. Oui, bah oui. J'aime beaucoup ce principe de démarche. Allez, traînons un petit peu et rentrons après. Exactement, traînons et rentrons. Waouh, c'est toujours impressionnant, Sterling, vous inquiétez pas. C'est moi, j'ai touché le volant, je suis désolé, je ne voulais pas. La justice. Je voulais pas, Cooper, je suis désolé. Il faut t'aider. Mais on connaît la loi, monsieur. Oui, on connaît. Alors, monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais est-ce que vous pouvez nous sortir de là, monsieur? Sterling Cooper, avocat au gros barreau, monsieur. Oui. Enchanté. Peux-tu prendre ton porte-caisse en coffre, Sterling? Oui, bien sûr, je l'ai oublié.
prospérité, le voilà. Alors, monsieur, comment fait-on pour monsieur, sortir monsieur, vous avez abîmé notre voiture. Nous allons comment porter ça, plainte. Comment ça, vous on, j'ai fait quoi, moi, encore? Monsieur, nous sommes auxiliaires de justice, nous connaissons la loi, et votre ambulance a fait un débarqué qui a retourné notre véhicule. Je suis témoin. Comment ça je l'ai même pas sorti, j'étais à l'autre bout, j'étais là-bas. Monsieur, vous avez donc retourné notre véhicule. Pourquoi monsieur, alors, je note. Quelles sont vos intentions, monsieur, d'abîmer un véhicule d'auxiliaire de justice, monsieur? Déjà, est-ce que c'est moi, déjà? Vous appelez comment, monsieur? Monsieur Chitafniouk. Oui, c'est bien vous, alors. Comment ça, c'est bien moi? C'est bien vous, bien monsieur, vous, c'est monsieur bien vous. Chip Sanoui, voilà. Vous appelez comment, monsieur? Mais je viens de vous dire, monsieur Chitafniouk. Très bien, Chita, non, vous avez commis je vous passe ma garantie, c'est plus vite. Ne vous énervez pas, monsieur, nous connaissons la loi. Maintenant, expliquez-vous sur les circonstances de cet accident, monsieur. Déjà, ce n'est pas moi, parce que ce n'est pas mon ambulance, parce que je n'ai pas sorti d'ambulance. Monsieur, moi, ce n'est pas votre ambulance, vous travaillez où, monsieur? Monsieur, vous je suis ambulancier. Voilà, et ceci je est pense quoi, que monsieur tu devrais prendre en photo cette scène terrible. Oui, mon oui, cher je vais photographier. Et d'ailleurs, prends en photo le monsieur aussi, qu'on n'oublie pas. Oui, je garde-le à vue. Je le garde à vue. Monsieur, je vous garde en vue. Bah, c'est bien. Je dirais même mieux, monsieur. Je vous garde à vue. Ouais, bravo. Mais ouais. Garde-le bien à vue. Hein. Garde-le bien à vue. Vous êtes en garde à vue, monsieur. Vous êtes en garde à vue. Ouais, garde à vue, ouais. Ne bougez pas, monsieur. Vous êtes gardé à vue. T'es prêt ou pas? Ouais, c'est bon, je suis déjà. Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que vous m'entendez? Non. T'es carrément zinzin. On va pas faire un trou. La tronçonneuse ou quoi? Messieurs, dames, nous sommes avocats. Bah, ça marchera mieux, la tronçonneuse. Sortez de là. Nous sommes avocats. Est-ce que vous avez besoin de monsieur? Non, c'est bon, vous inquiétez pas. On a déjà des avocats. Vous êtes sûr? Non, vous avez pas des bons avocats. Comment ça, vous avez des avocats, monsieur? Si, vous inquiétez pas. On a déjà des avocats. Allez, sortez. Bonjour, monsieur. Quel est votre avocat, monsieur? Comment allez-vous? Allez-y, rentrez. Ah, les couilles. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Nous sommes les avocats Sterling et Cooper, avocats au gros baron, monsieur. Nous sommes les meilleurs avocats de la ville. Mais qu'est-ce que ça transcende ça? On a déjà un procès qui est contre vous. Enfin, pas contre vous, mais vous allez plaider en faveur du banquier et nous on va être. Ah, vous êtes les anciens propriétaires? Ouais. On n'est pas les anciens, on est des gens futurs, du Chief Potter. Les futurs aussi. Du d'accord. Coup, si vous restez là encore longtemps, on va vous mettre dans une cave, du coup. Mais vous pourrez rien faire contre la justice, tu vas rien messieurs. Faire, tu vas rien faire. Les jeunes, pourquoi vous êtes tous devenus Casper, là? Rachid, prends le chose. Monsieur, vous pouvez pas nous soulever comme ça, monsieur. À moins d'avoir une force herculéenne, c'est pas possible. Alors, on va rien faire. Non, vous allez rien faire. Et parce que vous ne pouvez pas faire ça, monsieur. Lâchez-le. Voilà. Lâchez-moi, monsieur. Lâchez-le immédiatement. Lâchez-moi, voilà. Merci, monsieur. Merci. Hop, vous savez pas taper, dégagez, allez, viens, on y va. Laissez mon collègue tranquille, monsieur. Voilà, laissez-le tranquille, vous ne savez pas vous battre, monsieur, de toute évidence. Toi, tu le lâches, mon pote. Déjà, à quel moment tu tapes? Voilà, il faut fermer sa gueule, d'accord? Non, la loi. Nous sommes avocats, pardon, excuse-moi, Sterling, c'est l'émotion. Voilà, hop, ça c'est... Allez, Sterling, levez-vous et on y va. Faites chier, monsieur Cooper, je peux plus avoir de gosse de votre faute. Oui, arrêtez maintenant, hein. Il faut pas se battre, monsieur. Ça suffit maintenant, vous avez une leçon, monsieur. Voilà, on embête pas soignez-nous, s'il vous plaît, faites preuve de déontologie, et on s'en va, monsieur. Appelez-vous des panneuses. J'espère que tu es fier de moi, je t'ai défendu de corps et âme. Oh, tu t'es très bien battu. Tu m'as fait plaisir, Sterling. Oui, mais par contre, c'était pas mérité la petite beigne que tu m'as mis à la fin. Oui, non, excuse-moi, c'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est l'émotion, Sterling. Autant lui, il m'a pas fait mal, mais. Par contre, la tienne, je ne sais pas si tu as vu, mais je lui ai quand même mis un petit coup une fois qu'il était à terre, ce saligo. Oui, mais je l'ai bien vu. C'est le dernier coup de la justice qu'on appelle ça. C'est le dernier son que j'ai entendu avant de perdre conscience. Oui, appelez la dépanneuse, Sterling. Oui, je vais tenter. Sterling, pardon. Oui. J'ai peut-être une idée. Non, moi c'est Cooper. Cooper, oui. J'ai peut-être une idée. Oui, dites-moi d'où, Cooper. En tant qu'auxiliaire de justice, est-ce qu'on n'emprunterait pas un véhicule ici et on n'irait pas dormir au dépanneur? Ou à boire et à manger. Bonjour, monsieur, auxiliaire de justice. Eh ben, vous savez quoi, Sterling? Malgré les apparences, j'ai pas mal. Vous y arrivez à imaginer ça ou pas, Sterling? Écoutez, Cooper, je vous ai vu faire un vol de 4 ans, de à peu près 4 mètres. Vous avez battu un record et tout. Mais figurez-vous que je me suis vu, mais c'est plus impressionnant que ça fait mal, mon cher Sterling. J'ai tout filmé avec mon appareil photo, je vous enverrai les photos. Non, mais figurez-vous que c'est plus impressionnant qu'on pourrait le penser. Mais ça fait pas mal. Je pense que vous avez frôlé la lune, mon cher Cooper. Mais je comprends bien, allez, venez. Vous allez bien, Cooper, quand même. Mais oui, mais justement, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que j'ai pas mal. Oui, mais c'est étonnant, oui. C'est plus impressionnant qu'étonnant. Calmez-vous, Sterling, allez, venez. Mais ça commence à m'agacer. Nous allons dormir à l'hôpital, c'est pas grave. Aïe.
Vous allez bien, Sterling? Cooper, j'ai glissé sur la main. Oui, ben venez. Voilà, je pense qu'on dormira bien ici. Allez, dormons là, entre les quatre, voilà. Allez, bonne nuit, Sterling.